Bonjour, oyez, oyez, manants et bourgeois, gentes dames et nobles sires, Pulseo vous propose un retour en image sur la foire de la Saint-Jacques organisée au parc du Mont-Juillet sur la commune des Touches le dimanche 13 mai. Et comme en 1668, date de la première foire, les visiteurs ont pu découvrir le travail du forgeron ou du cordelier, observer comment on frappait la monnaie à l'époque et enfin déguster la fameuse soupe paysanne. Ah bon, vous voulez faire une jolie fête ici sur un site magnifique, histoire de recréer des liens avec pas mal de monde. La première foire a eu lieu en 1668. Elle a été autorisée par Louis XIV et sur la demande de César de Lamus. César de Lamus, le seigneur du Pont-Hue. Il existait deux foires, la foire Saint-Mélaine ainsi que la foire Saint-Jacques. Et donc l'idée a été de relancer cette foire Saint-Jacques, justement ici sur la commune des Touches. La foire a été instaurée en 1665 par un édit de Louis XIV. Elle a réellement eu lieu la première fois en 1668. Les gens peuvent voir la lettre patente de Louis XIV qui instaure cette foire. Au départ, ça s'est pas passé tout à fait correctement puisqu'il y a eu une contestation, puisqu'elle a été instaurée pour un seigneur, enfin à partir d'un seigneur, c'est le seigneur de Lamus qui avait obtenu du roi Louis XIV de mettre en place ses foires. Bon, il avait, on va dire, peut-être ses ennemis ou des seigneurs du coin qui n'étaient pas forcément d'accord, style le baron d'Anceny, qui a contesté la tenue de cette foire. Et donc les gens peuvent voir le document d'origine de la contestation du baron d'Anceny. C'est une soupe à l'ancienne. Une soupe à l'ancienne. On a réussi à retrouver des légumes anciens, panais, rutabaga, betcard, topinambour. Et on a tout mélangé. On a rajouté des pommes de terre, des oignons, de l'ail. Tous les ingrédients sont sur l'affiche. Il y en a au moins une bonne quinzaine. Là, c'est la deuxième marmite. La première a été vidée, là. Et puis celle-là, il en reste un petit peu dans le fond. Alors là, on cherche les os à moelle. Secret de la soupe. Hier après-midi, on a réuni, on était une dizaine à peu près. Toutes les filles ont fait l'épluche et tout, et on a tout coupé en petits morceaux avec sur des planches et des couteaux et tout ça. Et tout. On a passé notre après-midi à ça. Alors précisément, c'est une technique qui est de soufflerie qui est employée entre le 13e et le début du 16e, enfin, d'après les documents qu'on a. C'est utilisé à cette période-là. Donc le principe, c'est d'avoir un souffle continu pour alimenter la forge en air. Et du coup, on a deux soufflets qui sont actionnés en alternance grâce à un système de balancier. Et on a une certaine limitation au niveau de la taille des barres qu'on peut chauffer. Donc là, c'est l'idée de faire plutôt des petits objets qu'on puisse, que les gens puissent suivre les différentes étapes de forgeage. À l'époque médiévale, ce sont les maîtres particuliers, les menées. Puis après, on passe aux maîtres généraux, c'est-à-dire les officiers royaux qui battent les monnaies et qui font avoir monnaie dans les hôtels de la monnaie. On dit battre la monnaie. Battre la monnaie ou la frapper. Ensuite, nous allons tailler cette lame. Alors, l'outil s'appelle ? Une ciselle. Aujourd'hui, une cisaille. Mais à l'époque, une ciselle. C'est que depuis Louis XIV, les monnayeurs ont perdu beaucoup d'avantages. Louis XIV, c'est un monarque qui a modifié complètement la fabrication de la monnaie. On est passé d'une monnaie frappée au marteau à une monnaie frappée à la machine. Les visiteurs ont également découvert les jeux de force anciens et écouté le poète public venu déclamer lettres d'amour et poèmes.